Jusqu'à, je dirais, quasiment 30 ans, j'ai fait un peu de montage, puis, mais avant j'ai fait des petits métiers, postier, agent d'assurance, etc. Et quand j'ai fait mon vrai premier film, qui est le second film, qui est Les doigts à la tête, dès les premiers jours, le travail avec les acteurs m'a enchanté. À un point difficile à dire. Donc, je me suis dit, si jamais j'ai la chance de pouvoir faire ça, ce travail-là, tellement plaisant, jusqu'à la fin de ma vie, miracle, chance inouïe, voilà. C'est le numérique, moi, qui m'a le plus passionné. Le numérique, pas tellement parce que ça coûte moins cher, c'est anecdotique, mais j'ai souffert pendant 20-30 ans du fait que, avec des bobines de 300 mètres de 35 mm, quand je pouvais tourner 35 mm, quand j'avais assez d'argent, tous les 2-3 plans, donc c'est des plans longs, j'entendais l'assistant, opérateur, disait recharge. Mais on avait amené sur la piste de décollage des acteurs, et puis on disait, non, non, vous ne partez pas, vous revenez. Alors, ça devient un métier intenable, et pour moi, c'était compliqué. Là, avec le numérique, je pouvais enchaîner, je peux enchaîner 5 prises, 8 prises, 10 prises, 12 prises. C'est formidable. Donc, pour rien au monde, je reviens à l'argentique. Je me fous de l'argentique. Je n'aime que le numérique pour cette raison de pouvoir travailler avec les acteurs et de pouvoir avancer, de pouvoir avancer et de ne pas s'arrêter, de ne pas faire des bails qui n'ont aucun sens. Henri Hagel, il s'occupait de. Bon, d'une part, c'était le temps béni où tous les lycées avaient un ciné-club. On n'a rien de tout plus malin que de virer tous les ciné-clubs de tous les lycées. C'est une bêtise, une crétinerie épouvantable. Je ne sais pas d'où ça vient. Ça vient de l'éducation nationale, certainement. Bon, enfin, il y a des pauvres types partout, donc il y en a certainement à l'éducation nationale. Bon. Donc les lycées ont disparu. Henri Hagel, lui, s'occupait, dans ce lycée où j'étais, de la classe de préparation à l'IDEC, qui est l'actuelle FEMIS, voilà, donc l'école national de cinéma, disons. À cette époque-là, il n'y avait pas de DVD, il n'y avait pas de VHS, il n'y avait rien. Donc on montrait des films et toutes les semaines, il y avait le vendredi, en fin d'après-midi, il y avait un film de Bresson, de Mizoguchi, de Welles, de Dreyer, de Fellini, de. Moi, pendant tout le temps du primaire, je n'ai vu que des westerns avec Gary Cooper. Moi, j'imaginais pas que Gary Cooper, il y avait une équipe de gens qui filmaient, et qui avait un metteur en scène. Donc, j'ai aimé les acteurs au-delà de tout jusqu'à 10 ans. Après, j'ai adoré les metteurs en scène. Puis après, j'ai bien compris que finalement, c'est le rapport entre les deux qui fait qu'il y a des grands films. Donc, avec Henri Hagel, j'ai vu pendant des années tous les films des grands maîtres. Donc, ça a été une ouverture formidable. Il y avait une évidence qui fait tourner la chronologie, d'une part. Donc, avancer 1, 2, 3, comme on écrit, je ne me voyais pas. Si on commence par la scène 7, 9 et 14 qui sont dans le même décor, ça veut dire que on a cadenassé le scénario, on sait où on va, on sait ce qu'on veut, on sait tout, et on peut tourner décor par décor parce que ça coûte moins cher. Bon. Donc ça, horreur pour moi absolue. Bon. Moi, je veux voir le film pour avancer. Mais à l'intérieur des scènes aussi, pensez que chaque scène, même si on a tous les mots qui sont écrits, c'est pas parce que j'ai les mots que j'ai la scène. Avec ces mots-là, je peux partir d'un côté ou de l'autre, je peux partir dans
plus de fantaisie, moins de... Tout est possible. Donc, qu'est-ce que cette scène me cache? Qu'est-ce que je ne sais pas de cette scène? C'est ça qui est intéressant pendant le tournage. Donc, elle va un petit peu bouger, elle ne va pas bouger peut-être tant que ça, parce qu'il y a des mots qui sont écrits et on sait un peu vers quoi elle se dirige, mais comment elle se dirige exactement? Je n'en sais rien et je ne veux pas le savoir. Et c'est le tournage qui nous donne ça. Et c'est le plaisir du tournage de pouvoir se dire on va avancer comme ça là ou comme ça là. Et certainement que ce qu'on a décidé après 10, 12, 14, 16 prises, si on est arrivé là, c'est que c'est peut-être pas forcément la mauvaise formule. C'est qu'on a peut-être pris le bon chemin. Voilà. Et ce bon chemin, à la deuxième prise, on ne savait rien. Un corps, ça dit beaucoup de choses. C'est pas seulement les mots qui sortent de la bouche qui comptent. Le corps en dit autant, et parfois plus. Donc, je trouve le cinéma d'aujourd'hui, souvent, pas toujours, très paresseux de... On les place, les gens s'installent, ils sont comme moi dans les fauteuils, ils se racontent ce qu'ils ont à se dire. La scène de la bougie est là, ou la scène de passion est blanche. Et puis rien, mais les corps ne parlent pas. Donc c'est terrible de voir des corps qui parlent aussi peu. Dans notre vie, si on vit des scènes de où il y a un peu d'intensité, il est clair que les corps sont extrêmement bavards. Donc c'est absurde de faire une croix sur ces corps. C'est pas juste, alors, évidemment. Cinéma, on a tout en plus le gros plan, le visage, comme si les corps, on s'en débarrasse. Il ne faut pas se débarrasser des corps. On voit des centaines de films en France tous les ans. Moi, j'en vois quelques-uns. Donc, je ne peux pas dire stupidement, ce que je fais en ce moment d'ailleurs, je ne peux pas dire c'est descendu. Oui, je regarde seulement ce que je regarde à travers ce que je vois à la télévision. Ça ne s'est pas arrangé, clairement. Et du coup, la mise en scène, alors en insistant sur la mise en scène, c'est de plus en plus faible, sans aucun doute. Quand on voit le dernier film, le premier film de Skolimowski sortant de l'école, faisant un film d'école, il y a des plans de mise en scène admirables. Est-ce que, sortant de la FEMIS, est-ce que je vois, j'en ai vu quelques-uns de ces putains de films, est-ce que je vois des films qui ressemblent un tout petit peu à ça? Non, alors, peut-être que Skolimowski est très supérieur à ces jeunes gens qui sortent de la FEMIS, j'en sais rien, vraisemblablement. Mais, ou bien on leur a tellement appris à canasser le scénario, à faire en sorte que on a tellement coupé l'audace, on a tellement dit que si vous devez travailler, il fallait travailler comme ceci et comme cela, et écouter tout et négocier avec tout le monde. Si on négocie avec tout le monde, avec les acteurs, avec les producteurs, qu'est-ce qu'on peut avoir? Est-ce que Fellini négocie avec ses producteurs? Est-ce que Berman négocie avec ses producteurs? Il n'était son propre producteur la plupart du temps, très vite. Est-ce que les grands films, c'est des négociations entre les metteurs en scène et les autres? Non. Bon, alors, il faudrait peut-être quand même qu'on décide que la littérature, ce n'est pas des gens qui négocient avec leurs éditeurs et avec leurs lecteurs et avec leurs je ne sais quoi. Bon, ben, le cinéma, c'est la même chose.